retrouve pour une deuxième vidéo unboxing de vêtements pour Pulip et Taeyang. Voilà, je continue cette série. Donc j'espère que cette vidéo durera moins de 17 minutes parce que la première avait duré 17 minutes. Donc aujourd'hui j'ai reçu une jupe que j'ai achetée sur Etsy à la boutique Dream World Pulip, si c'est bien ça. Donc elle a mis un ruban adhésif super mignon. Je vais vous faire un petit zoom. Et donc c'est parti pour ouvrir. Bon oui, je l'ouvre dans le désordre. Ça se présente comme ceci. Et la jupe elle est super belle. C'est une jupe à fleurs qui est magnifique. J'aime tellement ce motif. Alors, oh c'est trop mignon. Elle a accroché une petite étiquette comme quand c'est dans les magasins. Donc, ah ouais, elle est trop belle cette jupe, elle est magnifique, elle est vraiment trop belle. Voilà, et donc voilà la boutique Dream World Pulip. Donc, du coup, voilà pour ce premier vêtement que j'ai reçu aujourd'hui. Autre vêtement que j'ai reçu, donc j'ai acheté une jupe motif Louis Vuitton violet à Winter Création, donc Winter Pulip. Donc elle a deux Instagram, Winter Création et Winter Pulip. N'hésitez pas à aller voir son compte de création vêtements. La pochette elle est trop belle, enfin l'enveloppe elle est vraiment trop belle. Je sais pas où est-ce qu'elle l'a achetée, mais vraiment elle est trop belle. C'est trop kawaii, mais en fait je vais l'accrocher dans ma chambre. Ah, elle m'a mis un petit mot derrière, je vais le lire. Hello, voilà la jupe violette à motif Louis Vuitton. Comme prévu, j'espère qu'elle te plaît. Je voulais te remercier de tous tes achats, ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un aime autant mes créas. C'est pour cela que la prochaine fois que tu fais un achat, tu auras un produit offert. Gros bisous Winter. Oh mais c'est vraiment trop gentil. Oh. Non mais je surkiffe les motifs, c'est trop kawaii. Donc voilà la jupe Louis Vuitton. Taille Pulip et ça ira très bien au style d'Anna. Il fait pas la mise au point. Je pense que vous connaissez Louis Vuitton et les motifs. Et elle est vraiment super jolie. Donc voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui. Autre vêtement que j'ai reçu, donc c'est un pull court bleu en tricot que j'ai acheté à Dream World Pulip. Donc c'est parti, c'est le deuxième achat que je fais chez elle. Et ce pull va aller essentiellement pour Aurore. Il est vraiment super beau. Quand je l'ai vu sur les photos et porté sur, sur Pulip, je l'ai vraiment trouvé super beau. Voilà. Et voilà à quoi il ressemble. Donc aujourd'hui il fait pas très beau, donc forcément on voit pas forcément bien. Donc il est bleu clair, je l'aime vraiment d'amour. Il est trop beau. J'ai surtout hâte de le mettre à Aurore. Donc voilà pour cet achat. Coucou, aujourd'hui j'ai reçu de nouveaux produits, des petites chaussures et des chaussettes hautes à dentelle rayées noires et blanches de chez Nessix Doll, j'ai bugué. Donc je vais ouvrir. Je pense que les chaussettes hautes iraient surtout pour Anna et les petites chaussures pour un peu toutes mes poupées. Alors, donc elle m'a mis ça dans une feuille d'idol. J'aime beaucoup trop... Voici les chaussettes et les petites chaussures qui sont trop mignonnes, je les aime beaucoup trop. Elles sont comme ceci. Alors elles sont assez spéciales mais elles sont comme ceci. Donc voilà pour ces deux petits achats que j'ai reçus aujourd'hui. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau jour car aujourd'hui j'ai reçu deux écharpes qui ont été faites par Pyuna Création. Ou Pyuna Doll comme vous voulez. Et en fait de base j'avais reçu ces deux produits dans une grande enveloppe en carton Colissimo. Sauf qu'en fait comme il y avait des choses à l'intérieur qui ne concernaient pas cette vidéo, du coup j'ai ouvert en dehors quoi. Et du coup voilà, je vais vous présenter les deux produits que j'ai reçus. Donc ce sont des écharpes. Oui, ce n'est pas la saison mais je voulais des écharpes pour l'automne et l'hiver. Donc je vais vous faire un zoom et je vais vous présenter. Alors, donc ce sont deux écharpes noires. Alors voici la première. Déjà l'emballage est super beau et super professionnel. Enfin vraiment j'aime beaucoup. Donc vous n'allez pas voir parce que je suis à contre-jour. Alors elle a mis ça dans un sachet en plastique avec un papier cartonné avec des motifs dessus qui sont très beaux. Non, vous n'allez pas bien voir.
Donc c'est une écharpe qu'elle a fait elle-même à la main. Voilà, c'est une écharpe, alors elle est toute noire. Oula, c'est le modèle Snood, S-N-O-O-D. Alors voilà, mais en fait vous allez pas très bien voir, ça m'énerve parce que je suis à contre-jour. Mais vous le verrez mieux quand je ferai des photos. Donc bon, voilà. Ensuite, une autre écharpe noire, cette fois-ci en tricot. Alors c'est pas le tricot tricot quoi, c'est une autre forme de tricot. Ah je l'adore, elle est super belle. Bon, il y a des paillettes orange. Ah oui, c'est à cause du papier cartonné. Elle est vraiment super belle. Donc voilà pour ces deux écharpes que j'ai reçues aujourd'hui de Piuna Création. Aujourd'hui, j'ai reçu deux autres vêtements. Un t-shirt que j'ai acheté à Winter Création sur Instagram. Et elle m'a fait un cadeau d'une jupe noire que je lui ai commissionnée. Voilà, donc dans mon précédent achat que je lui avais fait, elle m'avait dit sur sa petite lettre qu'elle voudrait bien me faire un petit cadeau. Donc c'était vraiment super gentil. Et du coup, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et le t-shirt, il ira parfaitement pour Anna. Ah oui, aussi, elle m'a fait des dessins. Donc là, c'est une lettre. Elle m'a dit... You Idols, merci pour ton achat. J'espère que les produits te plaisent. À toi aussi, à toi ainsi qu'à tes dolls. Je t'ai également mis les deux dessins. Je n'ai pas eu l'occasion de faire Elena, mais promis, je te la fais et je te l'envoie la prochaine fois, Winter. Pas de souci, ma belle. J'adore quand on me donne. Enfin, c'est plus joli quand vous recevez des petits mots avec enfin par exemple là c'est une feuille d'idole, qu'une feuille blanche avec de l'écriture dessus. Du coup ça donne plus envie de lire la lettre, et du coup en plus je les garde, les lettres. Alors là c'est le dessin, oh, j'aime tellement ces deux dessins. Alors là c'est Akako et Anna, je surkiffe Anna, son regard. Bon, on n'est pas là pour montrer les dessins mais plutôt les vêtements. Alors voilà comment il est. Donc c'est un cœur squelette rose, et le t-shirt il est noir, il est simple. Donc du coup voilà, il ira parfaitement pour Anna. Et ensuite la petite jupe noire, parce que je n'avais pas de jupe noire, qui ira pour pas mal de mes poupées. Donc voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'espère que que ces deux petits achats vous plaisent autant qu'à moi, même si c'est pour moi. Et on se retrouve pour une prochaine fois d'un vêtement que j'aurai reçu. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un autre jour où j'ai reçu une robe que Dreamworld Pulip m'a fait commissionner mais qu'elle avait déjà mis en vente sur son Etsy. Donc je l'ai acheté sur Etsy à Dreamworld Pulip, mais vous pouvez lui commissionner des vêtements sur son Instagram. Donc c'est une robe qui est trop belle. Franchement j'adore les tissus à fleurs, etc. Et là il y a du tissu à fleurs. Donc je pense que ça sera le dernier vêtement que je vais vous présenter pour cette vidéo hashtag 2 vêtements Pulip Taeyang. Voilà, parce que sinon la vidéo elle va refaire 17 minutes comme la première. Oh là là, j'adore. Alors le nouveau truc, c'est qu'elle a mis le vêtement dans un sachet plastique, mais elle fait toujours sa petite carte avec son pseudo. Voilà. Ah ouais, elle est vachement belle la robe. Donc je vais l'ouvrir. Alors je la regarde avant de vous bien la montrer. Avant de bien vous la montrer, pardon. Ah ouais, il est super beau. Hein. Franchement, elle s'est bien débrouillée. Hein. J'aime énormément, c'est vachement beau. Donc voici la robe. Alors je suis désolée, la luminosité c'est pas vraiment ça. Mais voilà, je vais vous faire un zoom. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des fleurs, un petit oiseau. Trop beau. Et le haut ça se présente comme ceci. Franchement elle a géré de ouf. Et ça s'ouvre avec, comment ça s'appelle déjà, des crochets je crois. Oui je crois, oui c'est ça. Avec sa petite... Enfin sa petite pancarte, parce que c'est du comment dire, du papier mais un peu dur quoi, cartonné. Donc voilà pour ce dernier achat je pense. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que cette grande vidéo
avec tout ce que je me suis acheté et réuni dans cette vidéo vous aura plu. Je vous referai une hashtag 3 vêtements Pulip Taeyang, pourquoi pas avec des chaussures la prochaine fois. Donc voilà.